Donc, pour le prochain thème, nous allons aborder les métiers. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il y a un métier que vous n'avez pas osé envisager à cause de la pression sociale? Pour moi, non, pas du tout. Non, absolument pas. Bon, bah moi, c'était un peu une orientation, on va dire, obligée, puisque comme j'étais seule avec ma mère, elle ne pouvait pas m'offrir des études supérieures. Oui, parce que j'ai travaillé après. Alors, j'ai travaillé jusqu'en 69, mais après j'ai arrêté de travailler, vu le travail de mon mari, mais ben, j'ai 135 euros de retraite. Ah oui, ouais. Voilà, ça va, j'ai retravaillé après le troisième, pas tout de suite, mais ben, quand on est venu habiter à Guenot. Donc, j'étais obligée de retravailler parce que mon mari est tombé malade. Voilà. Votre mari était militaire, est-ce qu'il y avait des femmes militaires? Ça a commencé en... je vais dire en 79. 79. Oui, les premières femmes. Avant, il n'y avait pas... ça n'existait pas, femmes militaires. Non, je pense... Non, je ne me parle pas quand elles sont arrivées. C'était un groupe. Ah bah oui. Réservé. En escadron, hein. Ah oui. Ouais. Mais très douées les femmes, hein, au boulot, hein. Très sérieuses. Hein. Non, c'est vrai, hein. Je vous assure. Hein. Ouais. Par contre, moi j'étais rare personne à travailler avec trois enfants. Ouais. Surtout que j'avais pas de famille, je n'avais aucune famille pour m'aider.